Salut à tous, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre comment avoir confiance en soi. Alors, pour avoir confiance en soi, déjà, faut vraiment arrêter de se remettre en question. Remettez-vous en question sur des points négatifs, mais gardez toujours ce côté positif et apprenez de vos erreurs avec les côtés négatifs, améliorez ça. Et franchement, n'ayez pas peur, ayez confiance. Respirez un coup pour vraiment décompresser et ne vous découragez pas, ayez confiance juste en vous, parce que dans l'éducation canine, il faut avoir confiance en soi, croire en sa méthode. Si elle est mauvaise, bien sûr, il faut vraiment là une grosse remise en question. Et si vous savez qu'elle est bonne, qu'elle marche, que les gens ont confiance en vous, que le chien accepte les ordres et que vous faites très bien les choses, n'ayez pas peur de foncer, ayez confiance en vous. Même si sur le coup c'est dur, que vous voyez que les gens ne s'intéressent pas à vous, n'abandonnez pas, continuez à travailler avec votre chat pour prouver aux gens que c'est votre méthode qu'il faut et pas une autre. Et comme ça, vous allez avoir une bonne relation avec votre chat. Alors je vous ai fait cette vidéo juste pour vous apprendre ça, car j'ai pu observer que Florian, avec le griffon Cortal, que je mettrai dans la description de la vidéo, n'avait pas confiance en lui, parce que avant le début de la vidéo, il m'a dit que c'était à moi de le tenir. Mais je voulais d'abord voir quelle était la relation entre le chien et son propriétaire. Et le chien était agité, certes, mais le propriétaire non confiant, et on a travaillé sur cette confiance pour faire la vidéo. Et justement, je lui ai dit de travailler plus avec le chien pour établir une confiance déjà en lui-même. Et demain, je vous apprendrai comment avoir confiance en son chien. Alors, voilà, vous travaillez sur cette confiance pour réussir tout ce que vous entreprenez. Ne doutez jamais. Et je vous laisse. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur Twitter, Facebook, Google, YouTube, c'est Apprenti Dog. Et pour vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Abonnez-vous. La petite cloche sert les notifications pour recevoir les vidéos en avant-première, pour que vous êtes le numéro ou non à avoir la vidéo. Et je compte sur vous, parce que si je suis là sur YouTube, c'est grâce à vous, à ceux qui me suivent, qui mettent les likes, qui s'abonnent et qui regardent les vidéos. N'hésitez pas, franchement, ça me fait très plaisir de vous avoir si vous abonnez. Alors, je vous laisse. À plus, c'est Apprenti Dog, et j'espère que mes vidéos vous plaisent.